Yo tout le monde, c'est Tonou Colette, comment vous allez cette semaine? Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode d'OPV, Opening Pokémon du vendredi. On en est à l'épisode 49, OPV 49. Et aujourd'hui on va continuer la découverte du nouveau set Couronne Stellaire. Il me manque encore mes Gaules que je n'ai toujours pas chopé, que ce soit le Carapuce ou Bulbizarre en air, je les ai toujours pas vus. Il me faudrait aussi les Foulard Trainer. J'ai sorti aucune Foulard Trainer encore, que ce soit les régulars ou les alternatives. Donc on va partir chasser ça. Aujourd'hui, on va s'ouvrir 4 tripacks. 4 tripacks couronne stellaire. Ça nous fera 12 boosters au total. 4 x 3, 12. Donc, on espère du lourd. Avant d'ouvrir tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton s'abonner et d'activer la petite cloche. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à arriver sur la chaîne. Ça fait grave plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux. Comme je vous dis toujours, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne, que vous en parliez autour de vous, que vous appuyez sur le petit bouton s'abonner, vous invitiez tous les potes, la famille et tout à le faire aussi. C'est comme je dis, hein, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à blinder les likes sur les vidéos que vous aimez, à les commenter, à les partager également. En tout cas, j'ouvre les tripacks, je vous montre les 12 boosters avec les promos et on est parti pour l'opening. Tout est déballé, voilà les 4 promos. Le petit Latias avec une magnifique sorle là, pareil pour ce Latias. Il en a une belle là. J'ai vu qu'il y avait les Forgelina aussi qu'on avait, qui sont un peu plus durs à choper avec les Swirls. Là, il y en a une belle là, juste à côté. Les petits codes que je vous file. Les 4 codes. Et le plus important, nos 12 boosters. Allez, on est parti avec le premier booster du premier tripack. À l'effigie de Megavolt. On espère du lourd cette semaine. La couronne stellaire, on n'a pas sorti grand chose depuis le début. J'ai ouvert quoi? J'ai ouvert une ETB et j'ai ouvert 2 tripacks avec vous en vidéo et j'en ai ouvert 2 en off avec ma femme. Et on n'a pas eu grand chose. L'ETB, j'ai eu la petite gold. Je peux pas me plaindre. Mais sinon, on a juste eu des petites ex. En off, j'ai ouvert 2 tripacks avec ma femme cette semaine. Et bah sur les 6 boosters, j'ai eu le Tortank ex en régular et j'ai eu le Melmetal ex en régular. 2 petites ex en 6 boosters, ça fait super mal. Donc clairement, j'espère du lourd avec vous en vidéo. Faut que ça tombe. C'est un set où j'ai pas beaucoup de goals et tout. Et bah du coup, j'aimerais bien les faire tomber, ceux que je veux. Clairement, j'ai pas envie d'acheter les cartes. Allez, premier booster, on va en faire Spack Magic. Fourbelin, Rhinophéros, Bria, Jirachi, le petit roi Gada, pas d'objet high-tech pour commencer, le petit Vortante en reverse, allez une R, oh, ça aurait été tellement beau de commencer avec une R, le petit Loclas, et on commence avec une holo, le roc de fer, je ne l'avais toujours pas cette holo, mais c'est un premier booster pourri. Allez on enchaîne, on perd pas de temps, tant qu'il n'y a pas de hit, on va aller vite. Deuxième booster de strip pack, à l'effigie de Loclas. Hop, est-ce qu'ils sont toujours autant galères à ouvrir? J'ai l'impression. Normalement, on a toujours une petite languette, là, on peut les tirer et tirer d'un coup. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec Couronne Stellaire, ils sont beaucoup moins bien scellés, j'ai l'impression. Allez, ouvre-toi ce deuxième booster, c'est fou, là. Putain, je sais pas si vous, ça vous arrive aussi de galérer autant sur les boosters, des fois. Ah, c'est bon, on ouvre à l'ancienne sur le dessus. Mais j'ai tellement peur d'abîmer les cartes en ouvrant trop violemment. Allez, le petit code pour vous. On enlève l'énergie. Et on est parti. Allez, on veut un deuxième booster magique. On n'a rien eu sur le premier. Faut que ça tombe là. Beau Drive, Grimalin, Boumata, Tic, Pandarbar, Croix-Poral, Vrombotor. Pas d'objet high-tech. Le petit Rhinastock en reverse rare. Allez, donne-moi une air, s'il te plaît. On n'a toujours pas eu d'air sur ce set. Et ce sera pas pour tout de suite. C'est ouf, hein. Les airs, elles se font désirer, hein. Le petit Avaltou. Et une holo, Torgamore, c'est ouf là. Premier tripack, il a l'air d'être bien pourri, hein. Deuxième booster pourri. Allez, on est parti avec le troisième et bah, dernier booster déjà. Regardez un peu le scellage, genre l'illustration de devant qui est sur le côté et tout. Là, pareil. C'est pas le meilleur scellage que j'ai vu sur des boosters. Allez, on veut un last pack magic là. Les deux premiers boosters étaient pourris, on veut pas un tripack vide. On en a déjà eu la semaine dernière. J'ai pas envie que ça se reproduise. Allez, on est parti. Shaglam, Cleopsytra, Carapagos, Lupio, Beyapap, le petit Coraidon, la gemme de gravité, pas d'objet high-tech, pomme d'amour. Allez, donne-moi une air, on veut notre première air. C'est ouf, hein, c'est ouf. On n'aura pas d'air sur ce set, j'ai l'impression. Le petit Meltan en reverse, et ce sera pas un tripack vite, et en type plante. J'ai le Florizarre déjà, j'ai pas les autres, mais j'ai déjà le Florizarre. Ah, oh, j'y crois pas, il me donne des doublons en plus.
Putain, j'ai 3 ou 4 ex sur le set et ils arrivent à me foutre des doublons. Bon, c'est un hit, je peux pas me plaindre, mais une petite ex sur un tripack, ça fait mal, hein. Troisième booster, pas magique, mais on a quelque chose. Allez, on est parti avec le deuxième tripack, on enchaîne. On veut du gros hit, là, clairement, premier tripack qui était pas foufou. On veut un deuxième tripack qui régale un peu mieux que ça, quand même. Allez, ouvre-toi bien, voilà. C'est le quatrième booster, donc on va faire le petit Genkidama, les mains en l'air, vous connaissez la chanson. Et c'est le premier booster du coup du deuxième tripack. Est-ce qu'on enlève? Ouais, on enlève la petite énergie. Énergie acier. Allez, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Déjà, on voit que le cadrage, il a pas l'air d'être foufou. Allez, quatrième booster. Le premier booster du deuxième tripack, c'est parti. Statitique, blanc coton, mouflon, le petit rubé peint. Pas d'objet tech. La petite Charmina, allez, donne-moi une air, là. Donne-moi une air. On veut un Genkidama qui paye de ouf. Oh là là, les AR, c'est oufissime sur ce set. J'ai plein de potes qui ont sorti le Carapuce et le Bulle Bizarre dans des tripacks, dans leur premier ou deuxième tripack. Non, moi, ça veut pas, hein. On a Statistique en reverse. En plus, c'est que des reverse que j'ai depuis tout à l'heure. J'ai pas ouvert beaucoup de boosters et ils arrivent à me foutre des reverse qu'on a déjà. Et ce sera pas un Genkidama qui paye. Premier booster du deuxième tripack, bien pourri. Quel dommage. Allez, on enchaîne vite comme d'hab. Pas de hit, on se dépêche. On en est au deuxième booster du deuxième tripack. Le cinquième booster au total. Le petit code pour vous. On enlève l'énergie. Et on est parti. Allez, donne-moi quelque chose là. Là, c'est ouf là. On a quoi? C'est le cinquième booster. On a eu qu'une petite ex. C'est pas ce qu'on veut, hein. Terracool, Boumata, Statitique, Hexadron, Moumouflon. Le petit rubé peint, Boreas, pas d'objet high-tech, Terra Cruel. Allez, donne-moi une air, là, s'il te plaît. On va gueuler, hein. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Je veux des airs, s'il vous plaît. Le classe et le petit Angoliath, back-to-back Angoliatholo. Eh, les tripacks, ils sont terribles, hein, sur ce set. C'est là, c'est en train de me dégoûter du set, hein. Je vais plus ouvrir de tripack, hein. Si j'ouvre des trucs de couronne stellaire, ce sera dans les coffrets ou peut-être une autre TV, hein. Mais là, les tripacks, ils me font la tête, hein. Allez, troisième booster et dernier booster de ce deuxième tripack. Le sixième booster au total. Pour l'instant, 5 boosters, une petite ex. On n'a rien eu sur le deuxième tripack. On veut un last pack magic quand même sur ce tripack. Là, on veut pas de tripack vite, hein. Le petit Flambino, Meltan, Meditica, Grenousse, Ossature, Tarot, la petite Leclasse, pas d'objet high-tech, Hexadron, je n'appelle pas d'air parce qu'elles viendront pas. Oh si, il y a une air, vous avez vu le bas? Qu'est-ce que ça va être? Le Zeraora, mais oui! Après le Carapuce et le Bulle Bizarre, c'est la plus belle des airs! Regardez-moi le flow de cette carte! Yes! Ah, faut se plaindre un peu! Ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est gros banger. Ah, je kiffe. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette air. Enfin! Enfin une air! Après, je sais pas combien de boosters sur ce set. Première air et pas des moindres. Let's go. Est-ce qu'on a un double hit? Non. Ah, là, là. Il faut se plaindre. Il faut se plaindre. Elle est magnifique, cette air. Elle est magnifique. Pour une fois qu'on a un beau hit, là, sur Couronne Stellaire, on va bien prendre le temps. Ça, elle a l'air d'être bien clean en plus. Let's go, ça fait plaisir ça. Allez, on est parti avec le troisième tripack. En tout, c'est le septième booster du coup celui-ci. Ah là, ça fait plaisir, le petit Zeraora qui tombe. Clairement, après Carapuce et Bulle Bizarre, comme je disais, c'est la plus belle AR qu'il y ait, hein, sur le set. Donc let's go, enfin, notre première AR et c'est une très belle AR. Ça fait plaisir de ouf. La petite énergie et on est parti. Allez, maintenant que la machine elle est lancée, faut pas que ça s'arrête. Chrysapil, Evoli, Guériland, Electek, Togedemaru, Celebi, le petit Pandarbar, pas d'objet high-tech, Cléopsytra, pas d'AR, je vais pas me plaindre, on vient d'avoir Zeraora, je vais pas demander des AR à chaque fois, et le petit Noirfang en holo. C'est quoi, c'est le septième booster pourri, hein. Allez, deuxième booster de ce troisième tripack, et on en est au huitième booster. On va faire un deuxième Genkidama, allez, on y croit. Les mains en l'air, deuxième Genkidama, le premier il a pas payé, faut que celui-ci paye. Huitième booster, 2x4. Hop, la petite énergie. Et faut que ça tombe. Allez, s'il te plaît, on veut encore une air. Ça ferait tellement plaisir de faire tomber deux air là en 12 boosters.
Grimalin, Hoot-Hoot, Osselet, Tournicoton, Coraidon, Croix-Poral, le petit Celebi. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas d'objet high-tech, Flottillon en reverse qu'on a déjà. Allez, une air. Ah, j'y ai cru, j'y ai cru. Le petit Lestombelle en reverse. Ah là là, les deux Genkidama, ils auront pas payé, hein. Le petit Pondralugon. Ah, booster pourri. Il me semble que sur le Genkidama que j'avais fait aussi sur le quatrième booster, j'avais eu cet holo. Je suis pas sûr. Ah, ça s'enchaîne, hein. Pas de Genkidama qui paye aujourd'hui. Allez, troisième booster de ce troisième tripack. Faut que ça tombe. On en est au neuvième booster en tout. Pour l'instant, 8 boosters, on a eu 2 hits. On a eu une belle AR, clairement, je peux pas me plaindre. L'AR est magnifique de Zeraora. Mais 2 hits en 9 boosters, ça fait mal. Là. Là, pour l'instant, en plus, là, c'est un tripack vide. Pour l'instant, on a eu nos hits à chaque fois sur le dernier booster. Hein. Le Zeraora, le Florizarre, c'était le dernier booster à chaque fois. Est-ce que ça va être la même chose là? Pour l'instant, pas de tripack vide. Faut pas que ça arrive maintenant. Chaffreux, Duralgon, non, Duralugon. Pandespiègle, Fossil Plaque, Togedemaru, Celebi, le petit Pandarbar, pas d'objet high-tech, Vasilis en reverse rare. Allez, donne-moi quelque chose. Tralala. Pas d'air, le Carapagos en reverse. Est-ce que ça va être notre premier tripack vide? Non, on a une petite ex. Le Tortank qu'on a déjà, qu'on a eu en off avec ma femme. C'est pas un tripack vide, mais c'est pas un booster magique, ça. Là, c'est un doublon. On enchaîne. Allez, on est parti avec le dernier tripack, nos 3 derniers boosters. Pour l'instant, on est à 3 hits en 9 boosters, ça fait 1 hit tous les 3 boosters. Le ratio est là, mais la qualité des hits, à part le Zeraora, que franchement, je suis hyper content de l'avoir sorti. Les deux autres, là, on a eu Florizarre et Tortank, les deux ex de starter, mais qu'on a déjà. S'il vous plaît, donnez-moi un dernier hit, mais un hit de folie, ça ferait grave plaisir. Tournicoton, Maril, Passe Rouge, Pomme, Croix-Poral, Vrombotor, le petit Galopa, pas d'objet high-tech, le Motisma Tonte, anti-plante. Il me semble qu'il y a un Motisma dans un peu toutes les, dans un peu tous les types, que ce soit plante, étoile, là, les communs, il y a peut-être un acier, il doit y avoir un haut ou des trucs comme ça. Allez, allez, une air. Ah oh là là, toujours pas d'air. Le petit Pomme en reverse. Et le Coxyclac. En holo, premier booster pourri de ce dernier tripack. Allez, deuxième booster de ce quatrième tripack et avant-dernier booster de la vidéo. C'est le quoi? C'est le 11e booster du coup. Allez, on veut du hit là, faut que ça se réveille. Là pour l'instant on a encore un tripack vide. Est-ce qu'on va avoir le hit dans le dernier booster comme pour les 3 autres? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est maintenant, s'il te plaît. Encore une air. Je veux juste une deuxième air. Ça me ferait grave plaisir. Terracool, Statitique, Tout Tombe, Larvibule, Crabominable, Bechoco, le petit Roi Gada. Allez. Pas d'objet high-tech, Patachio. Allez, une air, une air, une air, une air. Non, ça sent le Statitique encore, le Pomme. C'est que des rivers qu'on a. En plus, on vient de la sortir juste avant. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donnez-moi des rivers que j'ai pas déjà fait tomber. Au moins ça. Oh. Oh. Une petite ex. Ah, je m'attendais à une full art ou un truc comme ça. Non. C'est une ex Terra Crystal, la Terrapagos. D'ailleurs, Terrapagos qui a son alternative dans le set. Juste là. Pas la plus belle, hein. Je vous ai déjà dit quand j'ai fait la première vidéo sur le set. Moi, je la trouve too much. Elle est beaucoup trop pimpée partout, quoi. Mais c'est une alternative. Donc clairement à faire tomber. Là on fait tomber sur la petite Extera Crystal. C'est pas un tripack vide, on espère un last pack magic. Allez, 12e et dernier booster de la vidéo. Dernier booster de ce dernier tripack. Faut que ça tombe là, on veut un last pack magic. On a fait tomber une petite ex juste avant. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut pour finir la vidéo. Oh là là, c'est booster hein, comme d'habitude. Le plastique il sort en premier, mais le booster il veut pas s'ouvrir. C'est ouf la qualité. Allez, on va en last pack magic, s'il vous plaît. Une air pour finir en beauté, ce serait oufissime. Petite énergie plante. Allez, dernier booster, c'est maintenant. S'il te plaît, pas un booster pourri. Gloopty, Motorizard, Click, Charbonbin, Crabominable, Bechoco, le petit Roi Gada. Pas d'objet high-tech, le petit Gourmelin en reverse. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, mon Octa, donne-moi de la chance, là. On veut une air.
Bon, on n'aura eu que le Zeraora en air aujourd'hui. Est-ce que ça va être un booster vide pour finir? Eh ouais, le Pendralugon, purée. On aura eu un hit à chaque fois sur chaque tri-pack. Et pas des hits de folie, hein. À part le Zeraora, on n'aura pas eu grand-chose. Hein. Du coup, si on résume nos 12 boosters, on aura eu 4 hits, un hit par tri-pack, et du coup un hit tous les 3 boosters. Le ratio il est là, mais la qualité elle est pas forcément là. On aura eu 3 ex régulars. Tortank, Florizarre et Terrapagos. Des petites ex, Tortank et Florizarre qu'on avait déjà, c'est des doublons. Terrapagos qui va pouvoir rentrer dans le binder. Mais le plus important, on aura fait tomber cette magnifique air. Clairement, ça aurait pu être Carapuce ou Bulbizarre, ça m'aurait fait encore plus plaisir. Mais Zeraora, clairement, après les deux starters, c'est celle que je voulais à tout prix. Et elle est magnifique. Franchement, le style de la carte, l'illustration est trop bien travaillée. Je sais pas qui c'est l'illustrateur. Kazumasa, Yosokuni. Le taf est ouf. L'air, je la trouve trop belle. Je suis bien content de l'avoir fait tomber. Hein. On n'aurait pas eu grand-chose sinon aujourd'hui. Bon bah voilà l'équipe, c'est la fin de l'OPV. J'espère qu'il vous aura plu. Un OPV 49, on aura été entre guillemets régalé. On aura eu un hit tous les 3 boosters, 4 hits en tout sur 12 boosters. On aura eu 3 petites ex, pas folles, dont 2 doublons. Donc clairement c'est un peu relou, mais on aura fait tomber Zeraora R. Elle est magnifique, c'est l'une des aires que je voulais à tout prix. Il y avait le Carapuce et Bulbizarre en vraiment top 1, mais juste après c'était Zeraora que je trouvais la plus belle. Donc bien content de l'avoir fait tomber aujourd'hui. En tout cas, bah, je ne sais pas encore ce qu'on va ouvrir la semaine prochaine, ce sera la surprise. Mais d'ici là, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, et nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec l'OPV 50. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien.